Ok. Après, je vois qu'il s'était go, je n'arriverai pas dans le cas. Et je leur dis, fais-toi, c'est bizarre que t'as pas proposé un R6. Ouais, d'ailleurs, c'est bizarre. D'ailleurs, pour eux, j'ai sauté, moi. Peut-être qu'il avait. Moi, j'ai sauté parce que t'as sauté. Oui, bon, bah, elle est brutale. Oh, d'habitude, on va avoir un message sur ça, c'est pour me demander de faire un R6. T'as pas de ouais, demandé. R6. Bon. Bon, oh, peut-être qu'il a peut-être, tu sais, des fois moi je fais des vocales, mais c'est pour parler. Des fois, une fois j'étais dans le vocal, mais c'était pour parler avec Vanessa en privé. On avait tout cas papoté entre filles. Ouais, puis des fois, était sur... des fois ça intéresse pas les autres, c'est pour ça qu'on aime. Il était des sur fois on a envie de parler en privé. Son frangin. Ouais, il avait peut-être des choses à vouloir parler avec son frangin. Mais toi, il fait mieux ce qu'il veut, mais fou. Ouais, après, moi je dis que c'est pas obligatoire de venir forcément dans le vocal. On fait déjà du R6 toute la semaine, mais c'est pas compliqué, c'est pas normal non plus. Bah, si t'en as pas envie aussi. Bah, après, moi personnellement, j'aime pas ça, mais je. Moi, je bah, merci, de toute façon, j'ai vu qu'avec. Ouais, ouais, j'entends un coup de pied. C'est bon, elle est morte. Quoi, déjà? Ah, ouais, elle est là. Bah, attends, il y a son pote qui va arriver, mais en attendant, je me coupe. Ah, je te dis, il va arriver. Je trouve que la méthode de garder un otage, c'est pas mal. Un truc là. Là, on go. Pas bouger. Le temps qu'un cas pétait des trucs. Ah ouais, mais il y a quelqu'un qui va arriver. Son pote ? Bon, je sais pas, tu me diras s'il est mort. Ah ouais, c'est son pote. C'est bien fait de garder un otage. Le bâtard, il a dû se dire, putain, il me garde mon otage, c'est trop du cul. Ouais, j'entendais un mec taper dans un mur, je m'entends, je vois un mec. Bah, j'étais sûr d'aller venir, son pote, il vient, généralement, ils viennent pour trouver leur pote, et puis, bah, ils se font buter. C'est ce qu'on avait fait avec Jordi, on était vraiment des bâtards. Ouais, mais avant, c'était mieux, tu pouvais les stalker pour savoir où était son pote. C'est dommage qu'ils m'ont pas remis, ça. Bah, sur Call of, c'est pas ce que t'avais fait, là. Si. Oui. C'était, ça, c'était marrant, ça genre Fortnite, hop, tout le monde, on s'est mis sur tout le monde. Ils arrivent à shooter les mecs là-bas. J'ai un marteau, j'ai là. Ah. Oui, regardez les enfants, franchement, je suis tombé sur un truc très choquant. Il y a un. Ah ouais, non, franchement, c'est un père a tué. Son enfant de 2 mois. Ah, bah, ça me saoule les mecs, ils arrivent pas à shooter là. Ça m'a un bas là, ça fait un. Il arrive vers toi. Bon. Non, il y en a un autre vers moi, dans le bâtiment. Ah non, il est en bas. Oh, le PNJ l'a mis. Ah, il crève, bâtard. Ah, bah, c'était nous. Bon, je vois, alors là, je pense que oh, voilà. Que c'était notre cible. J'ai même pas fait gaffe à c'était qui notre cible. Oui, en fait, j'ai mis une cible comme je savais qu'ils étaient. Oui, mais prêts. Ouais, je sais que t'avais pris, mais j'ai pas fait gaffe, c'était quoi le skin du mec. Ah, oui, moi non plus. Tu m'aurais dit que c'était lui, ça a mis une cible, je n'aurais pas cru. Bonjour. Bon, bah, voilà, hein. Les mecs, ils ont mis 15 ans à se tirer dessus, on est arrivé, on les a tous enculés. Ouais, mais j'aurais tiré dessus, tu les as finis. Non, juste en hauteur, je monte. Je t'avoue, samedi, là, je t'ai pas répondu à tes messages, mais j'avais un mec de crâne, putain. Ouais, y'a pas un souci, t'inquiète. D'un coup, il a passé, d'un coup, il est revenu, j'étais là, mais t'es un connard de mal de crâne, en fait, t'es un enculé, tu viens, tu repars, tu dis, bon, finalement, je vais revenir, mais putain. Il est parti, tu vois, mais il est revenu 2 fois plus fort, j'étais là, putain, quel enculé. Et après, je regardais une série avec mes parents.
putain, j'étais à fond dans le truc. Ouais, je suis sûr que c'est elle, c'est une traînée, tout le bordel. Puis c'était pas elle. Mais c'était vraiment une traînée, cette meuf. Puis ce soir, il y a Piste Noire. Alors moi, je vais regarder pour savoir qui. Je suis sûr que la gonzesse écologique, elle va se faire défoncer. Ah. C'est des colos, c'est tous les mêmes. Attends. J'ai regardé un reportage sur une gonzesse. Il a dit qu'elle avait mis sa côté de son petit. Non, sa, ouais, sa côté. Son côté fierté de côté pour aller faire un voyage en Thaïlande pour. J'étais là, quel écolo de pacotille. Et puis elle était voir des éléphants. J'étais là, ouais, écolo, puis. Machin. Oui, ils ont le droit d'être avec des animaux, machin, ouais. Pourquoi le PJ, il a fini là-bas au fond. Ok. Même pas, il est parti de là-bas. Puis il y a certains trucs qu'on a vu là-bas, puis j'étais choqué en train de dire à la gonzesse, c'est cool de pacotille. Je suis cool, je suis à fond pour l'écologie, ouais, ça c'est quand ça t'arrange. Hein, ouais. Moi aussi je peux dire, je suis à fond dans l'écologie. Bon, j'ai acheté un 4x4 qui consomme beaucoup d'essence. Je suis à fond pour l'écologie, ouais. C'est que les cons, les écolos. C'est les pires. Ils disent écolo, mais au fond. Je sais ce qu'ils sont arrivés à commencer. Lui, il a une grosse voiture. 4x4. Ils l'ont mis et ils l'ont enlevé. Et tu vois, pour mettre les pneus, ils ont enlevé le petit. Ils ont mis ces machins. Ils ont mis un truc de poivre. Tu sais, les machins. Ils ont mis un machin, ils ont revissé. Puis comme ça, le pneu, le truc, il se dégonfle. Et puis en fait c'était ma belle sœur qui devait conduire, mon frère conduisait la sienne. Pourquoi? Pour finir mon frère. Et puis tu sais qu'à quelle heure ils ont retrouvé la voiture à minuit, puis ils ont été regardés à 1h du matin pour trouver une station service à minuit en Suisse. Puis, allez, bah, ils ont trouvé une station, puis ils ont regardé s'ils avaient un truc au moins comme ça, et là il a refait le truc avec le pneu là. Un marteau si tu veux. J'ai déjà lutté là. Oh bon, c'est un fusil. Ouais, mais j'ai un petit expert, mais j'ai sniper. Oh vas-y, j'ai envie de jouer double marteau, ça fait longtemps. Ah ouais, bah ouais, mes parents m'avaient demandé où c'était ton rendez-vous, puis j'ai dit que c'était oui, l'hôpital de. Ou ta mère bosse, c'est par là-bas, ton rendez-vous, non? Non, c'est pas l'hôpital. Ah ouais. Je suis directement chez un cardiologue. Ouais. Je me suis pas gouré, j'ai juste dit que c'était pour ton cœur. Ouais. C'est pour ça. Il a peut-être joué avec son frère. Ouais. Son frère vient quasiment tous les soirs avec nous à l'R6. Il aime bien notre groupe ou... Ouais. Oh, il est sympa son frère. Il est moins con que Dylan déjà. Ouais, il dit moins de conneries déjà. C'est pas trop dur. C'est pas faux. Tu prends les popos ou pas? Non, en fait j'ai pris les canettes alors. Ok. J'avais soin, puis j'ai 3 kits de soins. J'en ai 3 aussi, j'ai voir. Bon bah je vais acheter, mais j'essaie de prendre le truc et. Il est où ce machin? Ah, tu as la capsule? Elle est là. Ouais, bon, moi je laisse les kits de son, puis je prends le nuage. Voilà. Y'a un mec! Quoi? Putain, j'ai vu un truc bouger, j'étais. Et il redescend. Ah ouais. 2 secondes. Mais il joue à quoi en fait? Ah, je l'ai
Merde, j'avais envie de me finir en cas de ma mère. Ah bah t'allais me le dire, mais t'allais pas. Bon, je vais péter le bâtiment là-haut. Bon, même si je suis pas très fan de tout ça, mais ils sont pas toutes les choses qui veulent pas. Ouais. Je sais pas, il arrêtait pas de monter et descendre. Ouais, j'ai vu ça. Mais... Ah, y'a un mec qui va arriver. Ah bah non, il est à terre. Non, non, il est... Attends, mais je regarde donc là, si il y a un carré. Il commence à se barrer, non, non, tu restes ici. Il y a un mec. Viens voir, hein. Ils ont même des popos là-dedans. Attends, il y a un mec. Bah, je crois qu'en fait ils se sont fait un petit logement, les mecs. Il est où le mec? Oh, il est à terre, il est mort. Oui. Allez. Ah, il est là. C'est bon, je l'ai vu. Derrière toi. Ouais bah ça réanime juste en bas. À terre. Mort. Mon pote est là. Mort. Quel bâtard. C'est tout à fait ça. Y aller. Ouais, attends, y'a un mec qui essaie de me tirer dessus, mais il est où? À gauche. Ah, il est en bas. Allez, dodo, toi. Bon, pas le logement. Bah tiens, il y a des pots pour... Attends, j'ai utilisé peut-être mes canettes, là, comme ça. Voilà, je laisse les canettes là, et je vais prendre la popo en bas, comme ça, mon petit stock. Non mais l'autre il granime, il se met à terre, son pote arrive et bon tu meurs. Ah, on est trouvé un mec. Bah, je pense que les mecs savaient que ça les tire par là. Ah, ça se tire en bas de nuit. Y'en a un autre? Non, il était tout seul, lui il est mort direct. Je vais voir ce qu'il t'a connu. Oh merde. Ah, je pense que je vais prendre le truc. Oh, j'ai trois clés, mais il y a rien d'intéressant à part un socket. Ah, mais quand je vais tirer dessus, le mec il se demande où étaient les balles. Bah, ouais, c'est juste ça. Putain, on me tire d'où? Bah, au-dessus de toi, couillon. Oh, par contre, toi, t'as dû péter un câble. Au bus. Oh oui, je pense que... Puis son pote aussi, je pense qu'il est du pétard. Ton pote, il est à peine arrivé, il est mort. Il est fait qu'il l'a insulté. On va devoir aller en zone. Oui. T'es prête? Oh, un nuage. J'entends un peu. Je sais pas si le PNJ va nous suivre, mais... Ah, y a en bas, au bus, il y avait ton sniper en zone. Ouais, bah voilà. Je vais pas m'arrêter. Bon, je passe à côté récupérer les balles.
fais, je pas le temps. Ça, c'est une connerie. Tu veux regarder le bord pour être. Y'a un mec. Oui, merde. Il est parti en bas. En bas, il est parti chercher son pote. D'ailleurs, je sais même pas où j'ai vraiment envoyé son pote, mais. Il est en bas là, juste en bas où t'es. J'en ai tué un pour les deux. Il y en a un que j'ai été totalement buté, il y en a deux là. C'est deux mecs solo. Ouais, juste attendre qu'ils sortent. Il y en a un qui avait quasiment plus de vie. Il est sorti. Ils sont déjà sortis, en fait, ces bâtards, je suis sûr. On va se poster en zone. Il en reste plus qu'un. Il est dedans. Il est en haut, pareil. Il est là. Moi j'avais raison. Ah, je l'ai envoyé dans la tempête, je crois. Oui. Ouais, j'avais raison. Tu dis, s'il est pas en bas, il est en haut. Mais attention, lui, il avait un nuage pour se barrer. De base. Ouais, mais qu'est-ce qu'il s'est barré au nuage, on a pas le temps.